Alors, regardez les mangues, les amis. Alors, ça, c'est un repeo, c'est ça, papa? Et regardez à côté du vilabé. Ça, c'est ce qu'on a accueilli aujourd'hui. C'est juste énorme. Regardez la différence. C'est énorme, regarde ça. Juste magnifique. Et voilà, c'est ça qu'on vend en fait. Ce sont des vilabé. C'est hyper, hyper parfumé. Donc voilà, si jamais vous voulez, vous savez comment faire. Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui un petit vlog tranquillou entre vous et moi. Nous sommes actuellement fin décembre, je sais pas quel jour exactement on est. Et voilà pour cette fin d'année, pour ce début d'année 2020. Je compte faire des vidéos pas trop réfléchies, c'est-à-dire j'essaie d'être maintenant spontané avec vous parce que je me suis rendu compte que lorsque j'essaie de réfléchir à des vidéos etc. Ben jamais je l'ai monté, du coup j'ai énormément de rush dans cette carte SD là. Où ben, j'ai pas eu en fait la motivation de les monter. Donc du coup j'ai décidé en fait de partager voilà, mes journées juste comme ça. En toute intimité. Non pas en toute intimité mais voilà juste spontanément avec vous. Sans réfléchir et puis j'espère que vous allez aimer. Le programme de la journée, ben là je vais aller à Carrefour. Aller récupérer quelques boissons. J'ai vu qu'il y avait des promotions à Carrefour en ce moment pour les fêtes de fin d'année. Puis en même temps je vais aller récupérer mon cousin Imana qui m'attend normalement là-bas. Et après ben je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans ma journée. Gros bisous et à très vite. Ok voilà les amis, je viens tout juste de récupérer mon petit chocolat chaud juste ici. Parce qu'en fait on va faire une longue route. Et d'ailleurs je vous ai pas montré Imana. Bonjour. Je vous ai pas dit mais on va aller jusqu'à Papara. Et Mana m'accompagne dans ce voyage là. Comme ça moi je fais pas tout seul. On nous a pris des biscuits ici. Et voilà pour le trajet. Donc on se retrouve ben, à Papara. Allez, ciao ciao. Bon les amis, donc là on se situe à Punaoya, on est dans un parc, vous voyez le nouveau parc et tout. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle. En tout cas, il y a une magnifique vue juste là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, une vidéo dégustation. Oh non, j'ai mal déchiré. Atia, je suis photographe passionné depuis quelques temps. J'ai à côté de moi Teddy, on a fait une yes. séance photo là. C'est quand même top hein. Ouais, super. Vous avez vu là, il y a des grosses surprises dans la photo. Ouais, et n'hésitez pas à aller vous abonner, Teddy, yes. Hero A Photographie sur Instagram. Allez le suivre, de toute façon je vais mettre ton Instagram yes. juste là. Voilà, pour partager. Allez, puis, ciao. Ciao, ciao. Coco, t'as plein de piqûres de moustiques. Sérieux ? Ouais. C'est là, on va bien ? Ouais. Allez, mais ça fait peur. Oh, c'est la rougeole, c'est la rougeole. On voit pas trop. Ah ouais, les amis, je viens juste de voir. En fait, j'ai hyper beaucoup de... Monte un peu. Ah non mais vous avez vu mon dos, mais c'est énorme. Non mais à peu près 20 piqûres de moustiques. Voilà, donc là on est à Beach Burger pour aller prendre des burgers. Et ensuite on va à Papara pour manger avec mon petit papa qui nous attend à la montagne. Et puis je vais lui cacher les piqûres de moustiques parce que là il va se fâcher hein, s'il voit ça. Ouais, j'espère que ça va partir hein. Allez. Qu'est-ce que je dois mettre dessus mon dos? Mon œil. Mon œil?
Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais nous on va aller en haut de cette montagne et vous pouvez voir que c'est recouvert par des nuages tout le long. Bon les amis, donc là on est venu nous chercher avec le quad. Donc voilà le quad, hein. Ah c'est chauffeur. Ouais, ben là on arrive là. Ok. C'est les amis, on est arrivé au paradis sur terre. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans les nuages. Il y a mon papa qui est en train de travailler en bas. Et maintenant on va manger. Franchement c'est un endroit juste incroyable, c'est vraiment, c'est mon petit bout de paradis que je vous partage avec vous. On est venu ici pour aller cueillir des mangues parce que comme vous le savez, ma soeur va partir à Hong Kong pour Miss Chinese International. Et donc on fait des ventes de paquets de mangues, de vilabé. C'est juste extraordinaire cette mangue là, c'est hyper goûtu, il y a beaucoup de saveurs, c'est hyper juteux, délicieux, sucré. Enfin c'est, je pense selon moi, c'est l'une des mangues la plus parfumée au monde. Et on va cueillir ça tout à l'heure, on va manger et puis... on va redescendre. Donc allez, c'est parti. Bon appétit. Bon les amis, je vous reprends que maintenant. Là c'est la nuit. Vous pouvez voir, il fait noir. Il doit être 20h la passée. Donc du coup, on est parti cueillir les mangues. Et je peux vous dire qu'on a risqué notre vie. On a eu énormément de mangues. Du coup, c'est en vente. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Voilà, pour avoir le paquet, c'est à 2500 francs. Les mangues labé. Demain, on va nettoyer les mangues. Mais pour ce soir, on va préparer notre ma'a. Alors tout d'abord, nous allons faire du poisson cuit au lait de coco. Vous voyez cette noix de coco? Ben, je l'ai dénoyautée et je vais la casser, la râper et ensuite extraire le jus. Et là en fait chacun aura son coco. Donc là il y a Himana juste là qui lui est en train de décortiquer son coco. En fait le mien est tout petit, en fait je pensais pas. Là il y a mon père qui est en train de découper le poisson. C'est du thon rouge papa. Miam miam, regardez moi ça les amis. Ouais, du sashimi. Ah, sashimi et poisson cru, c'est ça? C'est trop beau. Dans l'assiette ça rend ça. Voilà, donc moi j'ai préparé le coco. Ça y est, Mana? Yeah! Et la vite fait, Mana! En plus, il... yeah, c'est plus gros à toi! Ouais! Montre un peu, comparé à moi. Voilà, Coco qui est en train de râper le coco. Yes! Et je peux vous dire que c'est vraiment excellent. Regardez tout ça. Et plouf, avec le doigt! La technique, c'est il faut râper et en même temps vous faites des rotations à chaque fois. Et puis après, il y a le résultat. Mm-hmm. C'était le tuto cuisine de Coco Teddy. Ah oui les amis, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour avoir liké ma dernière vidéo sur mon Instagram. Je faisais des TikTok et en fait vous êtes beaucoup à venir me rejoindre sur TikTok, ça me fait super plaisir. Je commence à faire des TikTok, ouais, c'est assez spécial, mais j'adore. En fait c'est vraiment un univers complètement différent de ce que je poste sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, c'est un peu de danse et puis voilà. Puis donc merci voilà pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si ce n'est pas encore fait, en cliquant juste en dessous. De me laisser un commentaire, de liker la vidéo et de partager la vidéo aussi si vous aimez bien. Et les amis aussi, je voulais vous demander si ce genre de vidéo, de contenu, est-ce que vous aimez bien que je fasse en fait des vidéos où je réfléchis pas trop, que je tourne en fait et que je reste transparent avec vous. Voilà, dites-moi si ça vous convient parce que franchement moi j'adore tourner ces genres de vidéos. Et les monter aussi, c'est plus facile pour moi de les monter. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo surtout et me dire en commentaire si vous aimez bien ce type de contenu. Comme ça je ferai plein d'autres. Voilà, ça va me motiver pour l'année 2020. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Miam miam, bon appétit les amis. Super délicieux. Bon appétit. Super délicieux. Ouais. Donc en fait, j'ai dit ce qu'on va manger. Donc ici, on a du kaifan avec une bonne tranche de viande, des frites, du sashimi tartare, voilà, avec des carpes, des oignons verts, des cornichons. Ici, on a notre poisson cuit au lait de coco, pressé par nous de Himana. On a le poisson frit avec des oignons. Ça, c'est super excellent. Et j'attends pas. Et papa, bon appétit. J'attends pas. C'est bon, papa? Ah oui, j'avais oublié quelque chose. Attends. Tu veux dire quelque chose? Non. Du thon frit avec des oignons. Ah oui, ça y est, j'ai dit. C'est du thon rouge. Hein. Excellent, trop bon. En fait, mon papa, il sait pas que j'ai pris ça, mais je vais le faire tester les deux, je crois. Oups.
Ne vous inquiétez pas. Voilà papa, je l'ai te fait goûter ça. C'est quoi? C'est du cidre de pomme aromatisé, ça c'est aux fruits rouges, je crois aux framboises, un truc comme ça. Tu fais avec le couteau. Ah ouais, impressionné. Merci papa. Il peut pas encore boire celui-là. Tching tching. Tching. Bon appétit. Attends, c'est quoi alors papa? Strawberry. Strawberry. Je crois que c'est framboise ou fraise. Dites-moi en commentaire, strawberry, framboise ou fraise. Ouh là là, ma prof d'anglais va m'engueuler. Cerise, je pense. Cerise. Framboise, fraise, cerise. Oh, c'est strawberry. Excellent. Waouh, il est 20h30 les gars. On mange tard, hein? Ah, t'as terminé tard, oui. Ouais, on a fini tard de travailler. Il n'y a même pas les mangues. Où sont les mangues? Ah ouais, bah je vous mettrai les mangues en story, ou peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, je vais finir le vlog maintenant, les amis. Et puis voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Non, on est à Papara sous la pluie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo-là. Et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Il suffit juste de cliquer en dessous sur le bouton du bas. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maruru, Nana, et à bientôt les amis. Ciao.